Monsieur le Premier ministre, vous étiez sur le site d'embarquement des esclaves à Luango. Qu'est-ce qui a motivé cette visite, monsieur le Premier ministre? C'est toujours la promotion de l'industrie touristique. Euh, voyez les différents piliers du tourisme. J'ai parlé du tourisme maritime, mais il y a aussi le tourisme mémoriel. Il y a aussi le tourisme culturel. Il y a le tourisme dans les forêts. Le Congo... Est un pays, comme on le dit toujours, béni des dieux. Mais c'est pas un hasard, c'est pas dit comme ça. Vous voyez, ce pays, de façon générale, et je parlerai des départements de Pointe-Noire et de Cuilou, ces départements euh, concentrent à eux seuls l'ensemble des caractéristiques du relief, l'ensemble des caractéristiques de la végétation l'ensemble des caractéristiques de l'hydrographie. Vous avez un territoire qui a en son sein la mer, le fleuve, les lacs, les rivières, les lagunes, sur une superficie de moins de 100 000 km. Vous avez tout ça pour deux départements. C'est une richesse hydrographique importante qui devrait mobiliser davantage de touristes. Vous quittez l'hydrographie, vous prenez le relief. Les deux départements ont en leur sein les plaines, les montagnes, les collines, les plateaux, les vallées. Ça devrait. Permettre un fort développement de l'activité touristique. Vous prenez la végétation. Vous avez en même temps, dans le même département, des espaces savanicoles de grande étendue, où on peut y élever des animaux de savane, par exemple. Vous avez de vastes étendues de forêts, et parfois de forêts presque vierges, où on peut y retrouver euh, des primates. Voyez? Donc, quand vous avez des départements d'une si grande richesse, dotés d'une telle richesse par la nature, il ne reste plus que le génie humain pour que se développe une grande industrie touristique, de sorte que, en plus du pétrole, puisqu'on a toujours tendance à ne regarder que la production pétrolière, en plus du pétrole, en plus de l'agriculture, par exemple, que le tourisme soit un vivier important du développement de notre pays. Et le président de la République avait vu juste en voulant s'appuyer sur le tourisme à partir de Pointe-Noire et du Québec. Et notre travail consiste à faire la promotion de tout cela. Vous parlez de la baie de Luango. C'est le tourisme de mémoire. Vous imaginez cette zone. Nous sommes partis des milliers d'Africains qui peuplent aujourd'hui certains pays et territoire d'outre-mer. La baie de Luango, avec la route des esclaves et toute la symbolique que nous avons donnée à l'esclavage. Si l'on peut reconstituer ce site historique pour que qu'on puisse promouvoir le terrorisme de mémoire, vous verrez migrer vers le Congo des milliers d'afro-descendants qui voudraient revenir sur les traces de leurs ancêtres. N'est-ce pas un éveil retardé parce que les autres nous ont dévancés Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Lesquels nous ont dévancés Je parle du Sénégal avec l'île de Gorine. D'accord, mais il faut peut-être espérer que ce que nous allons développer, que vous avez vu, qui va se faire sur la baie de Luango, soit plus impressionnant et plus emblématique que ce que vous avez déjà vu partout ailleurs. Voilà. Donc, c'est le plus important. Vous avez le tourisme culturel. Oui. Aujourd'hui, le Congo, au travers de la Constitution, a réhabilité les notabilités traditionnelles. Et au nombre des notabilités traditionnelles, vous avez les rois et les chefferies traditionnels, qui sont dépositaires des valeurs culturelles de nos communautés, qui nous montrent d'ailleurs que l'organisation administrative n'est pas née de l'Occident, que nous avons une organisation administrative propre. Nous avons des valeurs à défendre, des coutumes, des traditions incarnées par euh, euh, le, le pouvoir royal. Lequel le pouvoir royal a connu une réhabilitation à la Conférence nationale Ça devait permettre à des milliers de touristes de venir à Pointe-Noire pour euh, se ressourcer au sein de ces traditions africaines dont sont dépositaires les rois, les chefs traditionnels de notre pays. La voilà. preuve, il a un musée Malouango, ce n'est pas pour rien. Voilà. Donc, nous avons parcouru les deux départements et nous sommes allés sur le site euh, de la baie de Luango. C'est pour continuer à faire la promotion du tourisme et amener les compatriotes à comprendre que oui, dans le tourisme, nous avons tous les leviers nécessaires de développement de notre pays. Que le tourisme est un vivier important d'emplois, d'opportunités, et de création de richesses. C'est l'occasion pour moi donc de féliciter, d'encourager, de, de soutenir ces jeunes qui se sont lancés dans les activités de développement touristique avec leur tour opérateurs. Voilà je vais parler de Safari Tour, je parlerai d'Aquaba Tour, je parlerai de Lawanda Tour. ces trois jeunes qui euh, ont autour d'eux un certain nombre de leurs pères et qui font un travail important de développement, de promotion touristique, et qui nous ont permis de comprendre, comme eux-mêmes d'ailleurs, que dans le tourisme, il y a la possibilité de créer des milliers d'emplois et que tous les jeunes devraient désormais exploiter.